Allez, salut tout le monde, c'est Tado, et on est en compagnie de Épée Forte. Coucou Épée. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Yeah. On se retrouve pour le dernier épisode de Feed the Patrick 3, parce qu'après celui-là, de toute façon, il n'y aura plus rien, donc il n'y aura plus d'épisode. Oui, on va plus tout ça péter. Ça tient un tout petit peu. Pour info, pour ceux qui se demandent pourquoi on a probablement des équipements un peu différents de ce qu'on avait avant, en gros, Shorty ayant fait exploser la ville, il a fait péter GregTech. GregTech a déconné, Aznet a été obligé de remettre tout à zéro, donc on s'est redonné plus ou moins ce qu'on avait approximativement afin de pouvoir faire un dernier épisode en beauté. Oui. Tout simplement. Tout à fait. Et puis, ce que je te propose, c'est de venir. Et dans ce petit coffre en diams, il y a ce dont nous allons nous servir. Tu vois qu'il y a amplement de... Ah, oui, d'accord. Oui, bah oui, c'est ce que je t'avais piqué. Je t'ai... Hein, voilà. Hop, j'ai 6 litres de TNT. Et on va commencer par le sous-sol. D'abord, allez voir un peu le sous-sol. On va passer par la rue ici. Mais attention qu'il y a un peu de redstone partout. Donc on va vraiment... on va péter un maximum les trucs de redstone qui pourraient... éventuellement... faire déclencher aléatoirement de TNT. Ouais. Je suis pas en mode fast en fait, c'est ça le problème. Hop. Oui, Tado fait tout péter. T'as bon, à vue de nez, ici, ça a l'air bon, donc on peut poser un peu de TNT. Salut le minecart. T'as gaz? Et il avancera plus, hein, à un moment... Ah bah de toute façon j'ai tout pété, hein, comme ça. Voilà. Voilà, hops. On peut mettre une TNT ici. Une petite TNT là. J'avais l'habitude de la Power Seat, mais pas de la Gravy Suite. Elle est vraiment cool, hein. Moi je... J'y arrive pas. Je kiffe. Alors, on va passer ici. Que oui, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un super système. Que tu peux voir ici, épée. Ah oui, la fameuse porte. Tout ce qui est. Hop. Qui gère plus rien maintenant. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il est géré ici avec un peu un player détecteur et que ce player détecteur est géré via de l'énergie. Ah oui. Étant donné qu'il n'y a plus d'énergie. Bah, plus de détecteur. Bah, il n'y a plus de système. Donc, hop, on va péter ça allègrement histoire d'être sûr que ça n'explose pas à tout va. Et pouvoir poser un peu de TNT. Elle est bien la TNT là en plus. Elle est très très belle. Ouais, c'est de l'obsidienne TNT. Je suis assuré qu'avec ça, il fait péter tout et n'importe quoi. Alors, une petite ligne ici. Ah, petite. Hein. Une petite ligne là. Allez, Chicken, Enderman, Skelet, Witch et Blaze. Ah, un Blaze dessus qui fait tout péter. YOLO. Je ne sais pas si tu avais déjà montré cette base que j'ai faite à tes viewers, mais c'est la ferme ta gueule. Et j'en suis content, même si elle sera beaucoup mieux sur la saison 4. Hein, ah oui, oui, c'était la fameuse énergie clandestine. Ouais, bah, l'énergie clandestine est là à côté, là. Attends, viens, je vais te montrer. Ici, dans la première, tu vois en fait l'énergie clandestine qui est simplement... avec un biogénérateur. C'est pour ça que c'est un des seuls endroits, c'est le seul endroit du serveur où il y a encore de l'énergie, je pense. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. De toute façon, il n'y en aura plus bientôt. Non, ça, il ne va plus en avoir, ça c'est clair et net. Oh, est-ce que le chargeur. Que j'ai lancé un chrono, j'ai pensé un chrono. Et donc, oui, ça c'est. Tu connais également. On va retirer ce courant de redstone là parce que ça pourrait faire peur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer une ligne. Ouais. Apuka. Pour ne pas avoir un courant de redstone en sous-sol. Oui, parce que alors là, on est un petit peu dans la mouise. Hein. Pas qu'un petit peu. Attends, là, il y a de la redstone. Ça devient dangereux. Il n'y a plus de redstone. Je crois qu'il a complètement pété le truc, en fait. Quoi? Ah, là, il y a de la redstone activée. Ici aussi. Où est-ce que t'es? Ici.
Voilà, c'est bon, je pense que ça va pas tenir le choc, hein. Alors, ça c'est fait. Partie sous-sol. Vol, t'as de vol. Ok. Oh, On a encore un petit sous-sol ici. Et vu que j'aime bien faire bien les choses, je considère qu'une zone santé est une zone qui doit Pété. avoir de la TNT. Et que donc on va. Ah oui, c'était la fameuse ferme à cactus Ouais, ça et. c'est les deux multifermes, ferme à cactus et une ferme à cocoabine là-bas au bout. Ouais. D'ailleurs, que j'aimais bien. Multifarme de foresterie. C'est très pratique. C'est très chiant à mettre en place, mais c'est très pratique. Ouais, mais une fois que c'est mis, c'est bon. Une fois que c'est mis et que t'as du fertilisant, tu peux manger ta soupe tranquille. Alors voilà, comme ça on a plein de place pour mettre de l'obsidienne. Enfin, des obsidiennes TNT. Alors, ici, j'ai perdu épée. Non, C'est bon, non, c'est épée, il y bon, en a assez. j'arrive. Il y Tranquillement. en a assez. Bon, c'est vrai qu'on a encore posé. Moi, j'ai posé un stack et demi là. Ça, c'est ce qui m'a permis de faire les obsidiennes TNT en passant. Un truc qui me faisait de l'obsi ici. Et les deux autres me faisaient du sable pour faire de la TNT. Oui, bah oui. Est-ce qu'on continue? Oui, on va continuer le sous-sol par ici. Il y a encore des endroits qui peuvent péter ici, tranquillos. On va pas sortir là. Mais. Bien, j'ai la grand-mère Ici. qui est en train de percer le mur, c'est génial, t'entends rien. Hop. Poc, poc, poc. Normalement, ça doit être cool ici. Oh, je pense que ça va bien péter ici. Ouais, alors on va. Ouh, attention! Attention! Voilà, il n'y a plus. Il y avait système. Hops. Voilà. Bon. Sais pas ce que t'en penses, mais il me semble que Ça va bien la péter. partie sous-sol est bonne. Ne pas oublier de manger, parce que sinon on va être dans la merde. Allez, surtout qu'on dead. Oui, bah oui. Voilà. Bon, plus qu'à faire tous les bâtiments et faire les champs. Et étant donné qu'on a encore masse TNT, on va pas se priver, hein. C'est honteux. C'est honteux. On va faire tout péter, tout péter. Mais ça va pas être dur, hein. On va essayer une tactique. J'avais en tête de faire une tactique un peu spéciale. Je t'ai expliqué un épée. De faire tomber la TNT du dessus du dôme. On va voir ce que ça donne. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, tant pis. Ouais, oh, ça devrait le faire. Si on n'arrive pas, on fera ça autrement. Ça me fait peur quand tu coupes tes phrases en plein milieu, que j'ai réellement eu l'impression que tu avais mis posé une TNT où il fallait pas. Ah oui, non, 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 non. J'essaye de pas trop gueuler quand elle perce. Voilà. Es en train d'exploiter ta grand-mère Bah, pour qu'elle elle perce perce. Moi, un. je lui dis, ne perce pas, je tourne. Bah, non. Attends, l'ami, je me fais de l'argent. Attends. J'achèterai la perceuse après. Hop. Ah, bah, t'es dans le bâtiment, j'étais en train de me dire. Les pauvres moutons, ils Ouais. vont tout péter. Ah ouais, là, mon avis. Donc, ils vont plus dire bonjour. Oh, de la Alors, laine. Le truc de lait, il est pas encore fait. Je vais le faire. Oh, il n'y aura plus de moutons bientôt. Permets, je Et te maintenant, il n'y a plus rajoute. qu'à faire les champs épais. Ouais, bah les champs, ça va être un peu swag. Pense que ça va bien péter, moi, je te le dis. Mais les champs, ça va nous prendre un peu de temps, hein, quand même. Ouais. Hop. Oh merde, il me reste plus qu'un stack de TNT. Il y en a encore deux stacks dans. Ah oui, il y a tous les champs. Oh, mais vous avez fait des champs énormes, vous, en fait. Ils sont assez grands, hein, il faut l'avouer. Je vais quand même disperser un peu plus les TNT là, parce que putain, j'en ai mis masse partout, mais j'ai bien tado, mais vraiment. À un moment, Hop. bah, quand ça va péter, T'as ça va encore beaucoup de péter. TNT, toi? J'ai encore 3 stacks et demi.
Ah ouais. Et encore des stacks à l'intérieur, t'as dit? Ouais, 2, 2, 3 stacks. Hop, on va aller chercher ça. Tiens, avant de perpéter, on passerait bien à la ville pour montrer l'état dans lequel elle est. Ouais, bah moi j'ai repopé en fait chez moi dans la première maison, je me suis trouvé comme un con tout au fond du trou. Et moi aussi. Ouais. Sans stuff, sans rien. Oui, voilà. Hop, non, Donc, c'est que tu vas aller. bah, heureusement j'ai encore morph, hein, parce que chauve-souris ça marche bien. Moi j'ai même pas fait morph, j'ai été avec ma bite et mon couteau. D'accord. Elle était dure. Mais c'était dur. Ok. C'était dur, c'était dur. Hop. Attends, je m'éclate comme un con là en train de faire ça. Waouh, ça freeze. Alors, les freeze, ça va pas me manquer, hein. Non, non, il y a beaucoup de choses au niveau de des trucs qui vont pas nous manquer. Le lag, ça c'est clair et net quoi. Je pense qu'il va plus crasher qu'autre chose en fait, mais. Le serve, je crois qu'il va plus crasher qu'autre chose. Mais apparemment, on a sorti a pas réussi à le faire crasher, donc on va essayer de voir si on arrive à le faire crasher ou Oh, si, je au crois pire qu'il des avait cas on le fera crash. crasher. On appellera Az. Hein. Ouais. Donc, Az, dans. reboot le serveur. C'est pas comme s'il était habitué à ce que les gens là pour qu'on reboote le serveur quoi. Hop. Alors, stock. Heureusement que t'es là, hein, parce que purée, si je devais faire ça tout seul, je serais dans la merde. Ouais. Oh, salut, petite carte. On va plus rester longtemps. Boum! Bon, il n'y aura plus beaucoup de champs, je pense. Ça commence à être good pour moi. T'as encore beaucoup de TNT toi? Bah, encore deux stacks. Je suis en train de. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met toute la TNT qu'on a et puis on voit ce que ça donne? Ou est-ce qu'on Ouais. en garde un peu pour fignoler après? Pour fignoler un peu. Au Mais fait, c'est bien de fignoler. t'as de quoi comment? Le mettre en route la TNT? T'as de quoi le mettre Bon, en route la on a des TNT? leviers partout donc c'est bon, hein. Ah oui, je vois faux. Et en parlant de Boum! levier. Alors, on va monter au-dessus du dôme. Attends, où est-ce Ayo, ce que t'es? En train de faire un tour le tour, je suis en dessous de toi. Bonjour. Ouais, je viens de trouver. Je viens de te trouver. Bon, allez, hop. Ayo, ce que. Hop. T'es scout, hein? Si c'est Garde, moi. viens près de moi. On va. Ah non, il fait tout le tour, d'accord. On va essayer de passer par une sortie externe pour pas péter le dôme justement et de mettre max TNT au-dessus et voir si on arrive à faire tomber la TNT et qu'elle fasse l'explosion en chaîne. Je trouve Ouais. que ça vachement canon comme ça quoi. Mais Ouais, t'es bah. parfaitement où ce que je passe dans passer en dessous du dôme. Regarde ici. Non, d'accord, j'ai perdu l'épée. Non, non, c'est bon, je te vois. Bonjour. Montons. Montons, mouton, Ce mouton. dôme quoi. Ouais, t'en On a avais mis pour l'occasion. longtemps en plus. Hein. Quoi? T'en avais pour longtemps le faire. Ouais, ça m'a pris une bonne grosse soirée à ce qui se fasse et beaucoup plus à réussir à avoir toute le clear glace qu'il fallait parce que ça a pris un bout. Bah surtout c'est Hitler Bon. Glass de Tinker quoi donc. Épée. Mmh. Are you ready? Y en a au centre de la TNT? Ouais, logiquement j'en ai mis un, j'en ai mis. Bah attends, je vais quand même aller voir hein. Il faudra remettre le clear glass, hein, sinon c'est Oui, triché. carte glace répare, carte glace remplace. Tu vois, il y en a assez là, non? Ouais. Moi j'en ai encore 57 sur moi pour faire les finitions après, parce qu'on sait jamais, il y a quelque chose qui reste en place. Voilà. C'est quoi la touche de Trop pute. boost? Je la connais même pas. C'est pas grave. Moi c'est contrôle, mais le truc c'est que elle est en erreur avec d'autres touches, donc c'est un peu la merde. Tiens, ça me fait penser que. Bonjour. Hop, voilà, remets la glace. Voilà. Tu es prêt? Bah ouais. Ah merde, attends. Oui, on le pose où le levier au fait?
Voilà. Ah bon, on le pose là. T'es prêt? Bah ouais. C'est parti. Wouhou. Rien que déjà ce, le haut du truc. Oh bah d'accord. Ça va pas marcher. Aïe. Bon, épée. Oui, bah, méthode B, hein. On active. Je te mets le levier là, vas-y, so. Abeli, back and plouf. Ouais, clairement. Oh putain. C'est parti. Ah, blew up. D'accord, c'est qui a blew up? Ok. Allô. Ah, c'est le serveur qui a blew up. Ah non, attends, il a l'air toujours bon. Mais il nous a... Il nous ah, a... il est toujours bon. Il nous a jarté le con. Oh putain. Oh, oh my god, épée. Oh putain. Donc le serveur nous a éjecté simplement. Pour juste dire que ça a tout pété. Aïe. Alors, ceux qui ont blew up, ils voient, c'est les moutons. D'accord. Ah, c'est cool. J'avais renommé les moutons. Ok. Waouh, mais la moelle. Bon, t'as la moitié du dôme encore debout, hein. Avec des trous par-ci, ouais, par-là, mais. Le dôme, ça, je me doute bien qu'il tiendrait le coup parce qu'il était trop éloigné, mais. Regarde l'explosion qu'il y a eu, quoi. Oh. Ah oui, mais elle est puissante, l'obsidienne TNT, le mécanisme. Ah oui, non. Mais regarde, attends, je vais t'en faire péter une. Juste pour te montrer. Non, c'est pas de la merde, hein. On va la mettre ici. Quand on dit que la nuque c'est de la merde à côté, oui, je comprends. Salut les zombies. Attention. Ah oui. Tu vois, quand même, c'est pas. C'est pas une petite. Ah, c'est pas de la merde. Pour que ça creuse à ce point-là, en plus, il y avait de l'arrêt de granit, c'est un peu la merde, l'arrêt de granit. Bon, mais au moins ça s'est fait. Tu remarqueras que. Il y a certains blocs qui tiennent le coup. Hein, les ouais, c'est. MFS, Blast par exemple, c'est. Obsidian proof. Hein. Mais totalement. Oh, mais c'est. What? On avait bien fait les choses, hein, il reste plus rien. Bon. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas vu tout péter, mais je crois que c'est tellement à la chaîne qui nous a jarté mode. Coucou. Je ouais, non, mais moi-même. L'explosion était beaucoup trop grande pour que ça tienne le coup. Ah, c'est dommage qu'on ait pas tout vu, mais. Au moins, prochaine étape, c'est de faire un bâtiment en black granite. Ça résiste tellement bien, ça. Ouais, red granite, c'est pas mal. Mais Shorty avait fait le haut de sa coupole en red granite. Ça tenait pas mal aussi. Oh, c'est fun. Bon, est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire? Je pense pas, hein, là. Bah, on va faire un petit tour. Un petit tour en ville? Ouais. Voir un petit peu l'état que ça donne. Bon, t'as une partie de ton. Voilà. Hein. Pas réussi. Bon, attends. Il me faut une place pour sortir. Ouais, tu fais comme moi. Tu fais le Vajra et tu zolo. Non, c'est une autre technique. Voilà. Je peux pas passer. Hey, salut l'Underman. T'as un sac pour moi. Ah bah, t'es parti. Putain, et tu. Berlin a fini. Yellow de là. En fait, tu vas tellement vite parce que moi j'ai pas ma touche, je crois qu'elle est en complètement conflit. Ça doit être touche numéro 5, mais il y a toutes les. Tous les modes que j'utilise pas en touche numéro 5. Bon, je pense. Il reste beaucoup chez. Oh là. Ah, ça commence. Il reste beaucoup chez Fox. C'est dommage. Oh. Peut-on se faire ce plaisir? Un plaisir tellement sensuel de tout faire péter. Attends, oui, il y a cette zone-ci aussi qui est impeccable. C'est quoi ça, Musa? On n'a pas touché à ton truc. Attends, nous on va s'en charger un peu. On n'a pas touché à ta merde, Musa. Putain, il a encore plein d'obsidienne, le mec. Aïe! T'arrêtes de me toucher, toi. Bon, mais. T'es prêt Ouais, vas-y, fais tout péter, hein, isolo. Yep. Bon, t'as plus une maison. Ah oui. Ah bah, il y avait un souterrain, mais il y en a plus. Ah ouais. What? Ah oui, d'accord. C'est bien, on découvre des choses quand on fait tout péter. Et là,
Compressette Cobblestone, elle résiste. Ou pas en fait. Mais elle résiste quand même, la coquette. Hein. Il y a encore 2-3 trucs ici. Oh, mais en fait, c'est tellement beau ici. Bah, c'était tellement beau. Ah, si, il y a quand même une bonne partie de chez lui qui est partie. Où ça? Où qu'il y avait mariculture. Chez Fox? Ouais. Ah, oui, mais je viens de mettre des TNT en fait. D'accord. Tu peux activer ça? Je pense que ça peut. Oh, ok. Ça va faire boum. Au revoir la turbine. Ting 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 ting. Ah oui, ça fait quand même un trou. Un plaisir, notre Fox. Notre bâtiment. Oh là, le bâtiment, il est à moitié pété de partout. Ah, c'est bien, t'as encore des champs. Je sais pas comment ils... Je sais pas comment ce qu'ils ont mis comme... Je crois comme, qu'il y a eu des nuques en même temps, donc... Parce que regarde la façon dont c'est agencé les trucs. Parsemé de partout, ouais. Il y a des creative chests. Ah ouais, d'accord, c'est un creative chest pour les mannequins. Ah, soit, c'est la base de... Et ça, c'est pour les Patrick Cohen. C'est la base de Richie, ça, ici. Le truc, ça a totalement résisté. À l'intérieur, c'est... Bah, en fait, non. Ah, bah non. Oui, il est rentré dedans. Ah oui. C'est bien, je peux toujours essayer de péter le truc, il me dit interdiction, quoi. Elle est où, la sortie? Moi, je la trouve plus, d'ailleurs. Tu peux pas poser de bloc, ici, je pense. Non, il a complètement bloqué sa... Il a bien fait, il... On va sortir. Ouais. Je sais pas où t'es. Ça a tellement pété ici. Non, je te vois pas. Ah, l'autre base de Shorty. Ah oui, c'est bon. Oh là là. Oh, tu pourras pas prendre. Ah bah c'était chez moi ici. Ah oui, d'accord. C'était. Non, chez toi c'était plus par ici. Ouais, non, mais j'ai mon point à 90 mètres là. Chez toi c'était là. Ah bah à côté de Talisker, hein. Ah oui, bah à côté. Bon. La première chose qu'on a fait. Ah oui, d'accord. Ça va. Bizarrement, il n'y a eu plus de lag après, je suppose. Ou moins de lag. C'est vrai qu'on est encore à 60 FPS, enfin, ça dépend des. Ouais, bah c'est vraiment une corruption de partout. Quoi. Oh la vache. On dirait Tchernobyl ici. C'est limite ça en plus. C'était chez où? Chez Shorty. J'adore l'explosion, comment ça fait, les rainures au sol. J'ai Shorty, c'était où je suis là maintenant. Mais si tu veux aller voir la base de Shorty, faut que tu me suives. Mais t'es du mauvais côté là-bas. Attends, j'ai un petit point. Ah bah oui, à 800 mètres. Ok. J'ai un point qui est à l'end. Donc, comme il est à côté. Ouais, mais c'est juste à côté. Here we go! Everybody. T'arrives pas à me suivre en fait. Si, mais t'inquiète pas, j'ai le. Moi, the waypoint. Les rainures que ça a fait. Ah, il y a une petite base de build qui a résisté, mais pas longtemps. Le volcan s'est fait pulvériser la gueule. Mais on peut pas dire autrement. Plus t'arrives vers chez Shorty, plus il y a des trous. Ouais, tu te demandes pourquoi. Putain, j'aurais dû prendre une modular et la mettre en complètement full, quoi. J'aurais été tellement plus vite. Y'a plus rien. Y'a que. Ah bah y'a des blocs renforced. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, c'est Atlantis ici, mais parsemé de partout en fait. Ok. Bah où ce que t'es? Je suis au-dessus du dôme principal où qu'il y avait ces fusions. Oh là 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 là. Il aurait pu se faire une explosion nucléaire. Ah, Pierre est mort ici. Regardons ce qu'il avait dans ce. Desmoussi, encore Desmoussi et Desmoussi, mais qu'est-ce que tu confous de Desmoussi? Ok, de l'eau. Bonjour. Ah, ah oui, c'est vrai, il avait fait ça lui. Oh là 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 là, ça avait tellement. Et quoi, fiché. Où es-tu? Bah, le dôme principal de Shorty. Je suis au-dessus. Moi je te vois pas. Bah, je suis au-dessus de la base de Shorty, là c'est pas possible de train. Dans 350 moins 350 Non, je suis en 550.
Bah non alors. Ah moi qui l'avais... Ah bah t'es là-bas, ok. Ah oui non, je me suis trompé de zone. Ah oui, j'aime dire. Ah oui, mais toute la... Waouh, mais il a explosé la montagne. Putain, elle est parsemée la montagne. On se fait un puzzle. Ah, reconstituer la zone. Crin. La pul... Mon dieu. La pulvériser la jungle avec. YOLO. Oh bah voilà, ça c'était FTP 3. Hein. Ouais, c'était FTP 3. Et on se retrouve pour FTP 4 pour très pire. Bien. Ouais. Pire. Pire, pire, pire. Je pense qu'il n'y a pas qu'il y a encore de date officielle qui est sortie, je sais plus. Mais si. On a fait péter, c'est que c'est pour non très bien. Je sais pas si elle est officielle ou pas. Bon, on verra. De toute façon, vous serez informé. Il y aura peut-être un live d'ouverture, de toute façon. Et il faut faire péter le hashtag de Patrick. Voilà, YOLO. Quoi? On va le faire en TT. Clairement, à mon avis, soit Alex, soit moi liveront pour le live d'ouverture. Je sais pas encore lequel des deux le fera. Ça va être fun. Ça, c'est quoi? Je m'en rappelle même plus. Ça va être le Dawa. Et allez, sur ce, nous on se retrouve pour FTP 4. Ouais, et merde, je suis dans le viseur. Mais... T'es dans la merde. Hein. Bonjour. Merci, EP, pour la petite vidéo. C'était cool. De rien. On a bien fait péter ça. Plaisir. Non! Ah, il m'a jeté des carottes. Tiens, comme ça, tu fais pas chier. Et ce que je te propose pour finir en beauté, épée, c'est de se faire sauter. Ah oui, faisons-nous sauter ensemble. En enlevant bien sûr notre gravie. Hein. C'est un peu tendance. Non, tu laisses la gravie, t'inquiète, tiendra pas le coup. Ah bon? Elle tiendra pas. Vu ce que je compte mettre, je suis pas sûr que ça tiendra, tu sais. Ah bon? Oh. Ouais, t'as une complète. Retire la tête, il faut pas tricher. Oui, bah voilà. T'as encore de la TNT? Non. Allez, pétons-nous ensemble. Prête? Bah ouais. I believe back on fly. Bonjour. Oh, on a tenu le coup! Enlève les pieds, ça marche bien. Hop, voilà. À très très bientôt. Salut. Bye bye. Bye.